Fresh Morning. Star Fresh Morning. Vous êtes toujours sur Urban FM 104.5. L'émission reste la même, The Fresh Morning, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 7h, 10h, en efforcement avec vous pour la livraison des interviews et surtout la réception également des invités. Aujourd'hui, on va recevoir plusieurs invités. On va commencer bien sûr avec Morgan Barrès qui vient nous parler bien sûr du spectacle qui est prévu ce 20 avril du côté de l'Institut français. C'est le Café Concert Ibogazik. Morgan, bonjour. Bonjour Af, bonjour aux auditeurs de Urban FM 104.5, la station urbaine, c'est toujours un plaisir d'être là. Mm-hmm. En fait, je vais voir avec Dafresh comment je vais avoir un fauteuil ici pour le... En fait, je termine chez moi, je viens ici. Parce que franchement, on a trop vu ma tête sur cette émission, on m'a déjà trop vu ici. À un moment donné. Ouais, en fait, je suis à la maison, voilà. Une fois un matelas ici. Oui, ce sera pas suffisant. Le matelas, c'est encore mieux, quoi. Ouais. On est content d'être avec toi comme d'habitude et tu n'es pas seul. Tu es bien sûr accompagné de MC et Sono. MC et Sono, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Tranquille? Oui. Toujours opérationnel? Oui. Le rap toujours dans le sang? Babala. Le rap dur. Morgan Barrès, revenir en quelques lignes, bien sûr, avec le concept café-concert du côté de l'Institut français. Voilà, il faut dire que déjà depuis le 6 janvier 2017, on a mis en place avec le Bureau Export des Musiques Gabonaises, sur le Maïbou Gazik, des cafés-concerts au service des populations gabonaises, parce qu'après, derrière, on veut faire travailler les artistes gabonais sur une nouvelle formule. Disons, sur les anciennes formules, ça veut dire on n'invente rien, parce qu'au départ, les musiciens se produisaient en live, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas beaucoup de trucs électroniques, c'était vraiment des instruments basiques, on avait les pianos et autres qui pouvaient produire du son et les artistes produisaient sur ces sons-là. C'est-à-dire, nous on est venus en revenant à cette dynamique parce que derrière c'est la demande qu'on nous envoie, à chaque fois on nous demande mais est-ce qu'il n'y a pas un artiste au Gabon qui peut faire du live, est-ce qu'il n'y a pas. Bon, nous on essaie de répondre à cette demande-là et on fait travailler déjà sur le plan national des artistes. On fait venir des artistes de Port-Gentil, il y en a qui sont venus de partout au Gabon pour se produire sur nos cafés-concerts. Donc c'est aussi l'occasion de rappeler que Ibogazik, c'est pas seulement les variétés, parce que les gens pensaient qu'on faisait beaucoup plus jouer les artistes de variété. Mais il fallait d'abord trouver le bon filon et les artistes de la variété qui sont beaucoup plus live, qui font beaucoup plus du live en fait. Voilà. Donc du coup derrière, après il fallait aussi voir quel artiste répondait aux normes d'Ibogazik, parce que derrière nous on a un format international, on travaille sur un format international. Donc du coup il faut pouvoir faire travailler les artistes sur ce format là comme ça facilite aussi le plan placement d'artistes, parce qu'on fait aussi dans le placement sur des événements. Donc du coup on s'est dit bon ok, il faut trouver des artistes. On a fait l'appel à candidature, on a vu certains artistes, on est allé vers certains artistes qu'on a senti qu'ils pouvaient donner, et il y a d'autres qui ont postulé et on a pris parmi ceux qui ont postulé certains qu'on a dit ouais, essaie de voilà les conditions, voilà les conditions. Déjà il faut pouvoir nous produire un show en live de 1h30. C'est un peu ça là. Donc il faut avoir un album qui peut être positionné sur le marché du disque à l'international, parce que derrière ok, tu peux tenir 1 heure de live mais tu n'as pas de produit sur le marché. C'est pas possible. Tu n'es pas Richard Bonnat qui... Bon, mais encore que Richard Bonnat, il a plusieurs albums aujourd'hui à sa clé. Donc, du coup, c'est l'un des rares artistes qui n'a pas de vidéo vraiment classique d'un clip. Mais lui, c'est plus de scène que de vidéo. Donc, Bob Marley n'avait pas de clip. Voilà, donc du coup, c'est un peu dans cette dynamique-là. Mais au moins, il a des albums. Donc, il faut avoir déjà un album bien prêt, bien travaillé pour répondre aux exigences du Bougazik. Oui. Alors, pour ce 20 avril 2019, toujours du côté de l'Institut français, on a bien sûr le Café Concert 100% MC et Sono. Pourquoi ce choix? MC Essoun, déjà, c'est quelqu'un qui, depuis belle lurette, j'ai eu à observer, parce qu'il faut dire que sur le coup de MC Essoun, c'est moi qui suis allé sur la proposition. Déjà que ça tombe, l'Institut français a communiqué la date du 20 avril. Et comme ça tombe le jour de mon anniversaire, comme par hasard. Donc du coup, l'équipe d'Ibogazik m'a dit, bon allez, c'est toi qui choisis l'artiste qui doit se produire. Et on veut un artiste hip-hop, ça veut dire on veut un artiste rap. On veut pas... On a déjà reçu des artistes hip-hop. Warren Jazz, c'est du hip-hop, il fait du R&B, ils font du chant. Il y a beaucoup qu'on a reçu, et Welcome, on a reçu beaucoup qui font du hip-hop. Mais il fallait un artiste qui fasse du rap. Parce que généralement, on dit les rappeurs, eux, c'est beatbox, tout est électronique, ils viennent, ils font des shows. Mais non,
On a déjà la preuve avec Franck Bapponga qui fait beaucoup de live désormais sur ses prestations. Donc on s'est dit, bon, il ne faut pas prendre Franck Bapponga tout de suite parce que Franck Bapponga, il prépare aussi son événement. Mm-hmm. Donc il faut prendre un gars qui peut nous donner un show d'une heure, mais qui peut jouer du live. Et moi, comme j'ai tendance à éponger des albums, j'écume des albums par jour, j'écoute beaucoup d'albums d'artistes. Et il y a l'album MC Culotte Babouche que j'ai dans mon sac, que j'ai toujours avec moi, partout où je vais dans mon ordinateur. Donc du coup, souvent il m'arrive de prendre des sons et d'écouter, et puis tu dis, mais ouais, lui déjà il travaille sur beaucoup de samples de musique américaine, et on sait que les musiciens facilement ils peuvent travailler ça. Donc j'ai vu MC Son, je lui ai dit, est-ce que tu peux pas. Il m'a dit, moi je suis prêt depuis en fait. Et c'est quelqu'un qui est sur, on va dire, sur 30 cafés-concerts déjà organisés par les Bogazic. Il a peut-être raté 3 parce qu'il est tout le temps là, il vient assister, il vient voir. Donc je me dis, c'est quelqu'un qui est prêt en fait. Il venait juste voir comment ça se faisait, comment est-ce qu'on travaillait. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'aurais pu prendre, il y a beaucoup d'autres artistes hip-hop qui voudraient bien, mais je me suis dit non, MC Sound, c'est quelqu'un qui vient voir déjà ce qu'on fait, ça veut dire il est intéressé par notre projet. Parce qu'il faut d'abord que les gens soient intéressés par ce qu'on fait pour qu'on puisse, on puisse aller loin. Donc lui, justement, il est intéressé par notre projet. Donc pourquoi ne pas lui donner pourquoi ne pas lui envoyer l'ascenseur. Je dis à MC Sound, est-ce que tu es prêt. Il m'a dit, ouais, je suis prêt quand tu veux. Et ça tombe à pic. Donc voilà. Et MC Sono va nous livrer son concert live du côté de l'Institut français à partir de 19h ce 20 avril. Alors MC Sono, yes. Première question, forcément on voit déjà MC Sono en concert live. Il a un album que beaucoup ne connaissent pas. On se pose même la question, mais qui est MC Sono? Bon, enfin, je pense que la réputation de mon album me précède parce que, enfin, certains m'appellent même par le titre de mon album que par mon nom d'artiste. Enfin, on m'appelle MC Culotte Babouche. C'est le titre de mon album. Il est sorti il y a 3 ans déjà. Il est sorti le 16 avril 2016. Et donc voilà, c'est un album que j'ai sorti. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup tourné. Enfin, mais les gens l'ont quand même parce qu'on a sorti des CD physiques et voilà, tous les exemplaires qu'on a sortis ont été achetés. Ça s'est vraiment fait vraiment dans l'underground, quoi. Tu appelles, oui, Mani, tu as les CD, oui, on se rend compte, je te file ton CD. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. L'album a plus ou moins circulé. Et je pense que les personnes, sinon la majorité des personnes qui seront là, l'ont quand même écouté. Enfin, je présume. Voilà. Ouais, forcément. Alors, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce qu'on aura droit à la consommation de cet album en toute intégralité avec des nouveaux sons ou encore on aura quelques sons extraits de cet album avec peut-être, je ne sais pas, des exclusivités? Exact. Bon, comme c'est l'album... enfin, il y a quand même 20 titres hein, sur l'album, donc on ne peut pas jouer 20 titres, je n'ai qu'une heure de scène. Donc avec mon équipe, on s'est assis et on a décidé les morceaux sur lesquels il fallait que je jamme. Et voilà, en même temps, il y a aussi mon EP qui est terminé, mon Benyaboro. Et donc j'ai pris deux... Mon Benyaboro, traduction. Oui. Bon, voilà, mon Benyaboro, enfin, je n'arrive pas, je ne vais pas donner une traduction littérale, mais on va dire, c'est quelqu'un, en fait, c'est l'enfant, c'est un enfant qui grandit au milieu des grands, qui apprend des grands, qui apprend la sagesse des grands. Voilà. Donc, en fait, le gars, il vient tester AF, il ne sait pas quoi AF, c'est un... Non, ok, il m'a testé, c'est lui qui me pose des questions. Non, en fait, il te pose la question pour voir si vraiment tu me testes ton sujet. Non, il connaît. Il sait qu'il peut tenir une interview en langue. Ça, c'est... Non, lui avec lui genre toute la semaine pas, quoi. Je suis pas très à l'aise en français. Normal. Mon Benyaboro. Ton EP bien sûr en gestation, il est déjà sorti ou bien? Non, il est en gestation. Il est terminé, mais voilà. Après le café concert, on devrait le drop. Voilà. Alors, on se pose en même temps la question de savoir ce qui te motivait à aller assister à ces différents cafés verts et cafés concerts autant pour moi. Bien envoyé. Les cafés verts sont à l'intérieur. Il vous a suggéré. Normal. Chose, hein, mais il faut voir avec les gars comment trouver une nouvelle botte pour le café vert. Justement, tu y assistais déjà. Est-ce que c'était pas dans l'optique, bien sûr, d'y participer en tant qu'artiste à part entière, livrer ton propre concert ou parce que tu voulais simplement voir d'autres artistes en concert? Oui, d'abord, je suis un mélomane. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. C'est peut-être la seule drogue, c'est le seul truc que je consomme à l'excès. Donc, j'écoute beaucoup de musique, que ce soit vraiment des styles différents, que ce soit de la soul, du jazz, du rap, de la musique gabonaise, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, quand il y a. Et je suis curieux.
Donc quand il y a un artiste que je connais pas, je vais découvrir s'il joue, je vais voir ce qu'il fait, et puis bon, on verra. C'est beaucoup plus dans l'optique de découvrir, de voir ce que les gens sont capables de donner et d'apprendre, apprendre aussi en regardant ce que les autres font. Et ce mois, tu as été choisi pour livrer ton propre concert, toujours donc du côté de l'Institut français. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance par rapport à ton album qui est sorti il y a 3 ans, ou juste on voulait te satisfaire parce que tu y assistais? Non, je pense que c'est... Bon, enfin, c'est comme ça que les choses devaient se passer, hein. Ouais, c'est comme ça que les choses devaient se passer, et puis, that's all. Ok, ça le fait. Alors, Morgane, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres informations concernant, bien sûr, le café, concert Ibogazik? Est-ce que le concept reste le même? Il n'est pas payant, mais que l'on vienne juste en regarder tout en consommant un petit quelque chose? Ouais, bien sûr. Encore, il faut dire que c'est le premier café-concert qu'on va faire avec les nouveaux gérants du café et de l'Institut français, parce qu'il était fermé il y a un temps. Donc, voilà, le café a réouvert à l'Institut français. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir aussi ce qui se fait là-bas. En même temps, c'est la même formule, ça ne change pas. Il faut juste revenir samedi à partir de 19h. Logiquement, il faut venir à partir de 19h, parce qu'à 19h, on lance non-stop. On s'est dit, on commence le show à 19h, donc il faut venir parce que c'est 1h30 de show, parce qu'après, l'Institut français a une projection, donc du coup, on va pas brûler sur le temps de la projection. Donc c'est à partir de 19h et jusqu'à 20h, 21h après on pourra libérer en même temps. Donc c'est rappeler que c'est samedi à partir de 19h du côté de l'Institut français. Entrée libre pour tout le monde, même formule. Ok, MC Sono, ton mot de la fin. Ouais, mon mot de la fin, c'est que les gens, les curieux viennent, qui viennent voir, parce que la particularité avec les concerts rap, c'est que à la fois tu as les musiciens, vraiment le modèle The Roots, tu as le band de musiciens, tu as le MC et derrière tu as le DJ, ce qui n'est pas le cas avec les artistes qui font dans la variété, etc. Donc ce sera l'occasion pour les personnes curieuses de venir voir voilà comment ça se passe, et puis voilà, kiffer et puis jammer tous ensemble. Voilà. Merci MC Sono, merci Morgane. MC Sono en café concert du côté de l'Institut français, bien sûr. Café concert organisé toujours par Ibogazik, c'est ce 20 avril. Ramenez-vous nombreux pour soutenir bien sûr l'artiste et apprécier bien sûr son album. En même temps, tu veux ajouter quelque chose? Ben non. Merci à vous. Je faisais un big up à la caméra de Fallon Nambo. Big up à vous. Et on se dit donc à ce samedi, c'est samedi non? Ouais. À ce samedi du côté de l'Institut français. See ya! Stop Fresh Morning.